Ancien Jocelyn Lebeau. Oui. Lors de son entrée en studio. Bonjour Jocelyn. Bonjour Patrick. Avec qui nous allons, croyez-le ou non, chasser les fantômes. Alors décidément, mon cher Jocelyn, vous ne reculez devant rien pour PM. Et vous êtes, vous avez bel et bien chassé le fantôme dans la nuit du vendredi 28 février au 1er mars dernier. Vous êtes très précis d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une raison pour ça. vous n'avez pas eu peur d'ailleurs? Tiens, on va commencer avec ça. Ben c'est drôle parce que chaque personne à qui j'annonçais que j'allais chasser des fantômes avait une histoire à qui c'était arrivé, soit à eux-mêmes, soit à un parent, soit à un proche. Et il faut dire que les séries télé, le cinéma nous a donné droit à plusieurs histoires de fantômes dans le passé. Donc, l'imaginaire collectif est très riche. Alors, je vais vous avouer, j'étais terrorisé avant d'y aller, tellement que je suis pas allé tout seul. Je suis allé avec un ami parce que j'avais besoin d'une présence pour me rassurer. Non, je comprends, j'aurais eu peur moi aussi. Mais sachez que je suis devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas du tout traumatisé de mon expérience. Ceci dit, je suis conscient et j'imagine qu'il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui sont très sceptiques par rapport à l'existence des fantômes. Je comprends, je ne suis pas là pour vous dire si ça existe ou pas, mais pour vous faire part et vous raconter mon expérience le plus honnêtement et le plus fidèlement possible. Mmh. Mais moi, je pense aussi qu'il y a une grosse partie de notre auditoire qui y croit, Jocelyn, et qui seront dans les prochaines minutes tout oui. Donc, vous êtes allé vivre cette expérience, je l'ai dit, la semaine dernière. Ouais. Dans quel coin du Québec exactement vous êtes allé? Je me suis rendu à l'ancien asile de Sainte-Clotilde-de-Horton, une municipalité donc d'environ 1500 habitants située dans la région du centre du Québec. Donc, c'est près de Victoriaville. Près de Victoriaville. Et pourquoi vous êtes rendu là, exactement? Alors, pour ceux et celles qui s'y connaissent en matière de paranormal... Je dirais que je vous interroge comme un policier ou un enquêteur. J'adore ça, je dirais que la vérité. Alors, l'asile de Sainte-Clotilde... Un ton très interrogatoire. Oui, allez-y donc. C'est que l'asile de Sainte-Clotilde est un peu un classique en matière d'endroits hantés au Québec. Ah, okay. Alors, pour bien comprendre, je vous raconte un peu l'histoire du lieu. En 1939, ce sont les missionnaires du Sacré-Cœur qui se sont installés sur cette terre-là, qui est devenu le monastère des Pères du Sacré-Cœur. Mm-hmm. Le domaine a été par la suite vendu en 53 aux frères de l'institution chrétienne. Et même quand on entre encore aujourd'hui, il y a leur emblème sur le plancher du hall d'entrée. Mmh. C'est un centre d'enseignement donc à la vie religieuse. Et c'est lors c'est au moment où les frères étaient là qu'il y a un premier événement tragique qui s'est produit le 25 décembre 58. Alors, il y a un incendie qui aurait été provoqué par des jeunes qui fumaient en cachette, qui a détruit le bâtiment, qui a fait 3 morts. Okay. On a alors reconstruit l'édifice. Et en 69, le gouvernement en a fait l'acquisition pour en faire un centre de réadaptation pour des gens atteints de déficience intellectuelle. C'est devenu donc l'asile Sainte-Clotilde. Et en janvier 88, il y a eu un deuxième incendie qui a fait rage là-bas avec cette fois 9 victimes. C'est abandonné donc depuis environ 15 ans. Alors, il y a eu, si on calcule bien, 12 morts tragiques, plus un frère religieux qui serait tombé du toit en déneigeant et un homme qui s'est suicidé dans la toilette du sol. OK, donc ça fait beaucoup de fantômes potentiels. Voilà. Alors, bon, là, vous n'êtes pas du tout spécialiste, là, faut le dire, pas dans la chasse aux fantômes. Ça veut dire que vous vous êtes rendu là-bas avec des gens qui se consacrent à ça et de manière très sérieuse. Là. Ah oui. Il y a des vrais chasseurs de fantômes, ça existe. Ah oui, il y en a plusieurs qui sont peut-être charlatans. Moi, je suis allé avec une équipe qui s'appelle APA Paranormal. APA pour Activité Paranormale Projet Anubis, qui est le dieu funéraire égyptien. Alors, c'est un groupe qui a été créé en 2006. Pendant un an, ils se sont équipés, ils se sont formés, ont essayé de comprendre comment on pouvait chasser les fantômes. Et depuis 2007, ils ont commencé à faire des enquêtes. À ce jour, ils en ont fait près de 160 et ils ont répertorié une 50aine de preuves, selon leur dire, de l'existence d'entités. Ils ont même un club école qui s'appelle La Crypte, si jamais ça vous intéresse de devenir vous-même un nouvel enquêteur, chasseur de fantômes. Moi, j'ai déjà le ton, là. Oui, vous êtes formidable. Donc, ils sont une 15aine dans l'équipe. Il y a des enquêteurs, il y a des historiens, il y a des recherchistes qui essaient de comprendre d'où viennent les lieux où ils vont. Et moi, j'étais avec 4 de ces personnes-là. Alors là, je tiens à rassurer tout le monde, ce sont des personnes comme vous et moi. Ils sont, en tout cas, du moins, de ce que j'ai pu constater, absolument sains d'esprit. Alors, Patrick Sabourin, qui est un tatoueur, Isabelle Deschenaux, qui est paysagiste, Marie-Josée Lamoureux, qui est criminologue, qui a travaillé également en santé mentale, et Éric Chicoine, qui est analyste informatique. Ils ont donc chacun leur force pour faire l'équipe la plus forte possible. On croirait un SWAT team. Mais oui, c'est vrai. Une équipe SWAT de la police, justement. Alors, on veut évidemment savoir comment ça s'est passé. Peut-être avant, nous décrire le lieu, à quoi ça ressemblait. Vous nous avez dit où c'était, mais concrètement, le décor, là, il ressemble à quoi? Oh, Patrick, c'est digne d'un film d'horreur. Alors, immense bâtisse abandonnée, avec un sous-sol et 3 étages, donc c'est assez grand. Il y a des débris un peu partout, hein, comme c'est laissé abandon depuis une 15aine d'années. Il y a des chaises, des tableaux décrépits, des fauteuils. Dans une salle, il y avait quelqu'un qui était venu faire un rituel. Là. Il y avait des pétales de rose sur le plancher, des tiges de fleurs. Il y avait des graffitis sur les murs, parce qu'il y a aussi des gens qui vont faire carrément du vandalisme.
vandalisme là-bas. Et surtout, il n'y a pas d'électricité. Hein. Donc, résultat, il faisait noir comme chez Liard, parce que c'était la nuit. Ça ajoutait vraiment à l'ambiance. Il faisait froid, moins 25 degrés. Il y avait de la glace partout, donc c'était même dangereux presque de se promener dans la bâtisse. Mais pourquoi faire ça la nuit, absolument? Eh bien, on n'est pas obligé de faire ça la nuit. La raison est bien simple. C'est parce que ces gens-là ont un emploi de jour, du lundi au vendredi. Alors, ils sont pas disponibles durant la journée. Okay. Alors, l'objectif, c'est, j'allais dire de voir le fantôme. Je pense pas qu'on puisse le voir, mais certains pensent qu'on peut à tout le moins les contacter, c'est-à-dire discuter ou échanger ou communiquer avec le fantôme. Mm-hmm. C'était, je pense, l'objectif de votre nuit. Avez-vous réussi? Alors, s'ils m'ont amené là, c'est parce qu'ils étaient allés dans le passé et qu'il y avait eu plusieurs manifestations paranormales à cet endroit-là. Donc, ils voulaient être sûrs que j'assiste à quelque chose d'assez intéressant pour vous raconter à la radio. Alors, eux, déjà, il faut que je vous dise qu'ils ne parlent pas de fantômes, mais d'entités. Et les entités, ils les définissent comme étant des présences énergétiques qui peuvent influencer les champs magnétiques, les champs électromagnétiques qui nous entourent. Et ils ont une tonne d'instruments d'enquête là, pour réussir à aller capter ces variations de champs magnétiques. Quel type d'instruments? C'est quoi le matériel du parfait chasseur de fantômes? Et là, ils arrivent avec une valise et même plusieurs valises, des sacs à dos. Il y a bien du stock, comme on dit. Alors, des caméscopes HD infrarouges pour capter des preuves visuelles, des bâtons qu'ils appellent des K2 qui vont justement indiquer les variations de champs magnétiques autour de nous dans l'univers, dans l'espace, des détecteurs de mouvement, des instruments qui vont étudier la variation de température, les variations de pression. Et pour qu'une preuve soit valide, là, il faut que ce soit capté par plus d'un instrument. Et celui qu'on a utilisé le plus, si on veut, ça s'appelle la Ghost Box, donc la boîte à fantômes. Et j'ai demandé à Eric, l'informaticien qui était avec nous, qui est aussi bidouilleur d'appareils pour chasser les fantômes, de nous expliquer justement c'est quoi la Ghost Box. Ça se trouve à être une boîte, un scanner de fréquences radio, AM, FM, mais pas les fréquences qui sont utilisées, les interfréquences. Donc, c'est un scanner de fréquences blanc. Puis, quand justement, il y a une entité qui va se manifester, on va entendre des mots, un ou plusieurs mots, sur plus qu'une fréquence. Si on entend, mettons, Patrick, sur deux, trois fréquences qui skip, c'est une entité qui se manifeste. Alors, ce que permet la Ghost Box, c'est de faire ce qu'appelle des PVE, c'est-à-dire des phénomènes de voix électronique. Alors, on pose des questions et on demande des réponses. On espère qu'on en aura. Alors, je suis là pour vous faire entendre justement le fruit de ce que j'ai réussi à entendre. Mais là, je vais vous mettre en contexte. Alors là, j'ai fait un montage de 1 minute de mon expérience qui a duré, elle, une bonne demi-heure. Je vous rappelle qu'on était 6 à ce moment-là. Donc, les 4 membres de l'équipe de APA Paranormal, moi et mon ami Philippe Olivier. Et la voix donc la plus lointaine qu'on va entendre, c'est celle de l'entité. On a découvert James et qu'elle parlait en anglais. Je vous jure que j'ai rapporté le son sans aucun trucage. On écoute. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais ça avoir votre nom. Ouais. Je me demandais pourquoi. Ton nom, c'est James? Oui, oui, James, c'est pas clair. Ça va être analyser après. Combien de personnes en ce moment dans la pièce? On est 6 vivants. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a 2 esprits ici. Hi James, my name is Jocelyn. I am working at Radio Canada. I would like to say hello to you. Hi. 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 Hi James. Do something. Yeah, that was a woman's voice. Though. Yeah. You're gone. Moi, j'ai compris, please, you're gone. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, s'il vous plaît, vous êtes parti, mais... Oui. Il veut qu'on s'en aille. Très particulier, excusez-moi, Jocelyn. Non, j'allais dire justement, oui, il voulait qu'on s'en aille. Effectivement, c'est assez particulier, c'est assez aliénant, même la variation comme ça, les changements de fréquence radio. Oui, c'est ça. Je rappelle que donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'enregistrement de la fameuse Ghost Box. On tente à travers des ondes radio de capter la voix d'un fantôme et ceux qui commentaient ces bribes de voix fantomatiques, ce sont les membres de l'équipe de l'APA que vous avez accompagné, Jocelyn Lebeau.
Là, évidemment, on comprend aussi par la discussion que vous avez collective autour de ces petits morceaux que ça laisse quand même la porte ouverte à l'interprétation. Là. Ah, tout le monde absolument. Se demande un peu qu'est-ce qu'on vient d'entendre exactement, mais on est tous d'accord pour dire qu'on a entendu quelque chose. Voilà, c'est ça que je me dis également. Alors, l'équipe de APA, d'ailleurs, va tout réécouter. Ils enregistrent tous les sons, toutes les images qu'ils sont en train de capter. Alors, pour 8 heures d'enquête, par exemple, ça va demander presque 40 heures de temps pour étudier toutes les images qu'on a essayer de rassembler des preuves. Donc, vous n'étiez pas les bienvenus, si je comprends bien ce James qui vous a dit de vous en aller. Est-ce que vous avez changé de place ou vous êtes resté là malgré tout? Non, on s'est promené, on est monté au premier étage dans la chambre qu'on appelle la chambre d'Émilie. On pourrait parler peut-être à une jeune fille qui serait là éventuellement. Malheureusement, moi, il ne s'est rien passé. On a fait la même expérience. Il n'y a eu aucune manifestation. Puis, on est allé au quatrième étage, là où il y a eu l'incendie qui a fait 9 morts. Et encore une fois, il ne s'est rien passé. Alors, c'est que dans le sous-sol que j'ai le droit de parler avec James. Pourquoi ces gens-là font ça? Est-ce que c'est pour leur plaisir? Est-ce que c'est pour des clients? Pour qui ils font ça? Ah, c'est une très bonne question. Je leur ai posé, justement, et c'est assez touchant. Ils me disaient, pour trouver des réponses, on veut comprendre ce qui se passe après la mort. Donc, et là, comme ils commencent à capter des informations, comme ils commencent à avoir des réactions carrément d'entités, eh bien, ils se disent, et si, à un moment donné, on réussit à avoir cette grande discussion, cette grande réponse? Eh bien, ils espèrent l'avoir toujours. Ils restent positifs. Est-ce qu'on peut les engager, ces gens-là? Est-ce qu'ils offrent leurs services? Ah oui, chaque année, là, il y a plusieurs personnes qui les appellent. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est que premièrement, ils vont faire une pré-enquête. Ils vont vérifier que les gens qui appellent sont pas en deuil ou en état de psychose, parce que si c'est le cas, ils vont les référer à des gens compétents. Ensuite de ça, ils vont tenter de démystifier, parce que la plupart des gens qui appellent vont avoir pensent avoir des fantômes, mais finalement, on va se rendre compte que c'est peut-être un bruit de tuyau dans le mur ou que c'est une voiture qui passe dans la rue qui fait une ombre et qui crée finalement peut-être un phénomène paranormal qui n'en est pas un. Et finalement, ils vont peut-être, à ce moment-là, faire une enquête paranormale et découvrir qu'il y a peut-être une entité dans ce lieu. Et dans ce cas-ci, si jamais les gens veulent s'en débarrasser, ce ne sont pas eux qui font ce travail-là. Ils vont faire affaire avec d'autres personnes. On a une médium puis une passeuse d'âme. Mais moi, je ne les fais pas travailler avec moi sur une enquête parce que je ne veux pas me faire contaminer. Je veux garder mon côté logique puis essayer de comprendre avec ma tête. Puis si la personne a besoin de faire comme un nettoyage chez eux, ben on fait appel à Jude, qui est notre médium, ou Patricia, qui est la passeuse d'âme, qui, elle, a travaillé avec les énergies. Et après tout ça, il nous reste quelques secondes à peine, Jocelyn. Après tout ça, est-ce que vous y croyez un peu plus aux fantômes? Je vous dirais que je suis encore sceptique, comme plusieurs des membres de l'équipe de APA Paranormal qui continuent de chercher. Mais cela dit, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à vivre cette aventure-là. Alors, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y en a des chasseurs de fantômes qui sont peut-être pas des charlatans. Merci beaucoup, Jocelyn Lebeau. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de PM. On se retrouve demain pour jouer à Dis-moi c'est quoi ta toune de Disney ou après les informations. Ça dépend de où vous habitez.